On m'a toujours dit que le deuxième album il était difficile, surtout avec un premier qui avait du succès. Je crois que je suis un peu restée dans le déni pendant toute une période pendant que je composais. Alors le moment où j'ai décidé de faire un deuxième album, c'était en studio, quand j'étais avec Tristan Salvati, avec qui on a fait tout cet album, et que j'avais plein de chansons que j'avais fait pendant le confinement notamment. Et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait de quoi faire un deuxième album. On m'a toujours dit que le deuxième album, il était difficile, surtout avec un premier qui avait du succès. Je crois que je suis un peu restée dans le déni pendant toute une période pendant que je composais, sans trop me poser de questions, en disant que je faisais de la musique sans trop savoir où ça me mènerait. Et quand j'ai décidé qu'il y aurait un deuxième album, c'est là que tout s'est concrétisé. Et en même temps, c'est là que j'ai commencé vraiment à trouver la couleur de l'album et à avancer dans ce sens-là, quoi. Ouais, j'ai beaucoup travaillé toute seule chez moi, mais j'ai toujours fait ça en fait, j'ai toujours composé, écrit plutôt chez moi. Et tout ce qui était production et enregistrement vraiment final, ça se fait en studio. Mais il y a eu un mélange de plein de choses parce qu'il y a eu beaucoup de moments chez moi, beaucoup de moments aussi en confinement. Et finalement quand même pas mal de studios aussi, on est allé à l'ICP à Bruxelles, qui est un studio vraiment mythique. Et ça m'a beaucoup plu en fait de travailler dans un studio pareil parce qu'on a eu accès à plein d'instruments. Et qu'on était un peu dans un cocon, le fait de faire venir Tristan jusque Bruxelles, ça fait que nos horaires étaient vraiment aménagés pour faire de la musique, pour le studio. Et moi, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup plu et je me vois bien continuer à travailler comme ça, en fait. Ce qui est peut-être compliqué, c'est plutôt maintenant que l'album sort et qu'il va être écouté. Là, ça se concrétise pour de vrai. En fait, je considère que le premier, j'ai eu énormément de chance de vivre tout ce que j'ai vécu. Et donc, c'est pas perdu, en fait. Je l'ai vécu, ça a été merveilleux. J'ai eu la chance de faire des concerts et là j'ai la chance d'avoir une tournée qui est prévue. Donc pour moi c'est ça le plus important. Le plus important c'est d'être sur scène et de faire la musique qui me plaît.